je m'appelle Ariane Berdal, je suis professeure des universités, praticien hospitalier en biologie à la faculté de chirurgie dentaire de Paris Diderot. Et j'ai créé, en lien avec Marie-Paul Vasquez, le site odontologique du CRMR MAFAS qui se tient à l'hôpital Rothschild. Eh bien, j'ai souhaité participer à cette première journée de la filière tête-cou, qui est un moment tout à fait singulier puisque enfin nous nous rencontrons tous les partenaires de ce réseau national qui avons collaboré mais au travers de documents papier pour certains, au travers de connaissances pour d'autres, et là ça nous permet de partager nos champs de compétences, nos préoccupations, l'intérêt que nous avons pour le suivi de nos patients, la recherche, l'éducation thérapeutique, enfin tout le champ qui nous concerne tous les jours, mais ensemble. Je pense que cette journée était le pas incontournable de démarrage, de vrai démarrage, puisque ça fait un moment que l'activité a démarré pour cette filière. La seule chose qu'on pourrait constater, c'est que maintenant, on a une vision très claire de chacun des différentes composantes de cette filière. Et ce dont on a envie déjà pour la seconde, c'est qu'on se mélange plus, c'est qu'on soit en pluridisciplinarité entre tous ces corps de métiers différents, en mettant en avant la recherche et en découvrant tous ensemble que finalement, ce qui nous intéresse, la tête, le cou, c'est une petite boîte dans une grande boîte dans une grande boîte, un peu de jeu de poupée russe que nous déclinons dans chacun nos corps de métiers avec bien sûr un degré de définition qui sera dépendant de nos professions, de nos tropismes. Et que donc au service du patient, cette boîte dans cette boîte, cette poupée russe, sera extrêmement positive et enrichissante. Découvrez la cartographie de l'offre de soins sur notre site internet et retrouvez les associations, les professionnels de santé et les représentants des pouvoirs publics en suivant notre série Tête-Cou Live.